Salut à tous, c'est Kogaya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour... Alors, je me mets un peu mieux. On se retrouve aujourd'hui pour de l'OU en multitiers, le top 29. Donc, je vais changer ça tout de suite. Voilà, on va changer juste. Voilà. Avec une team assez intéressante. Mine de rien, quand on dirait comme ça, on dirait une team plutôt banane. Et pourtant non, on va jouer Slowbro Canmine Electrium Z. Donc Z Zap Cannon pour gérer ben, pas mal de trucs, Celestila, Toxapex, tout ça. Canmine Zancanosco, les Trick Room. Voilà. Donc une espèce de late game sweeper qui peut être intéressant. Tapu Coco pour mettre le champ électrique. T-Ball, Q-Turn, Roost, HP Ice avec la Chukaberry hein, pour gérer les Lando. Gardevoir avec Hyper Voice, T-Ball, Focus Blast, Substitute. Donc c'est une électrique spam hein, tout simplement. J'ai presque envie de mettre Trick Room, mais bon. On va s'en passer. Crocodile, Knock Off, Toxic, Stealth Rock, Earthquake. Donc défensif. C'est Ballistic, Party Shock, Multi-Attack, Flame Power, Defog, classique. Et Raichu, Alola, Nasty Plot, Thunderbolt, Rastat et Psyshock. Voilà. Je sais pas si Focus Blast est meilleur que Grassnote en soi. Je pense que Focus Blast est quand même meilleur. Parce que Ferrothorn existe. Et Grassnote, on en aura pas vraiment besoin. Donc allez, on va faire avec cette team. Du coup, c'est une électrique spam, hein, tout simplement. Mais avec un petit Slowbro marrant. Et on tombe contre une Rain, donc c'est plutôt intéressant d'avoir électrique spam quand on joue contre Rain. On valide Slowbro, parce que Slowbro, c'est très intéressant contre Rain. Et ça valide Magyarna tour 1. Je pense qu'on va Trick Room tour 1. Et on va tout simplement Canmind. Voilà, il a Calmine aussi, il m'en bat les couilles du coup. On va juste Giga Voltavox pour lui faire des beaux dégâts de tour 1. Voilà, ça fait un peu mal quand même. Hein. Alors ce set, d'accord, c'est le set avec les Lefto, du coup c'est le set de merde. Avec les Lefto. Du coup il a Pain Split. Il a T-Bolt, ok. Ok. Bon, on gagne le 1v1 du coup. Donc ça c'est cool. S'il va sur Ferro, on peut le burn. On peut burn n'importe quoi en fait. Hein. Ouais, on peut le burn s'il va sur Ferro. On le burn pas, c'est chiant. On va aller sur Crocodile. Bon, il peut faire évidemment Méga Fouet, mais bon. On va juste SR. Mais les spikes. C'est intéressant, ma foi. Moi, juste des petits dégâts. Ils sont très intéressants. Vu qu'elle est lichide, on va peut-être partir quand même. Là, je pense qu'on défaut. Parce que les ticos sont un peu chiants. On peut se mentir. Petit crit sur lance-flamme, donc ça fait plaisir. Shot. Coco. Je pense pas qu'il reste. Il va sur Ferrothorn. Donc ça c'est intéressant de sa part. Ouais, on va juste Gardevoir. On va faire Focus Blast. Bonne liste. Évidemment. Après il a pas. Oh il a pas. Ici. C'est bien parce qu'on waste sa reine donc.
sais pas si Swampert est vraiment utile en soi. On va faire Focus Blast. Pourquoi on fait Focus Blast? Parce que ça touchait Swampert au cas où il voulait aller dessus. Rock, j'en sais rien. Après, je sais pas si je prends si je prends trop cher sur les hasards, c'est chiant. Un peu chiant, hein. Faut que je le burn en plus. Oh putain, quand même. Ouais, j'aurais dû refaire de l'intimidation. C'est un peu chiant. Rain, c'est vraiment chiant. Dans le sens où j'ai. Putain, pile où je quand je retire Grass Note sur. Sur Raichu, direct, j'ai deux Rain. Pire quand je le retire. Pile quand je le retire. Moi, je dis, il y a des trucs, hein. Moi, je dis, il y a des trucs. Ok. Viper Voice, ça, c'est gratuit. Merci de donner Coco tour 1. C'est bien. Ouais, le premier match, j'aurais pu mieux le gérer si j'avais mieux géré mon Slowbro. Mais c'est vrai que Slowbro n'a pas. C'est vrai que Slowbro n'a pas. Je sais que il va quand même pas sac son Pelipper sur un. Ouf, le mec a sac pile. Alors, moi j'ai une question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu sac Pelipper en fait? Alors, tu vas faire. Alors ça c'est pour faire. Ah, c'est pour faire Water Shuriken. Super, ça me donne l'occasion de faire Trick Pony. C'est Specs, hein, lui, les gars. Burn, ce serait bien. Pourquoi il a pas méga évolué? Pourquoi cette choice band sont un peu. Alors je dois HKO avec avec Scroll. Allez, petit kill de Slowbro. Alors, je ne sais pas ce que mon oppo est en train de faire. Déjà, il a Zaxa Rain, c'est un peu dommage. Et bon. Bon, je suis toujours plus rapide que toi, mais...
en mettre de la vitesse. C'est vrai. Vu qu'on est... vu qu'on est... Je suis pas en train... Je suis pas en train de dire qu'il fait de la merde. Seulement, bon... C'est pas très intéressant ce qu'il est en train de faire. On va toxique. Pourquoi il est resté? Pour faire focus blast. C'est tout. Ok. Le mec est resté pour faire focus blast. Hein. Le mec, il y avait Earthquake, Halo. Voilà quoi. Je trouve que. Enfin, j'imagine que c'est un concept. Bon, j'imagine que c'est une speed taille. J'imagine que comme c'est un noob, il doit jouer sur le sien modeste. Voilà. Hashtag gros crit, ouais. Je pense pas que ça tue. À moins que t'aies 5 coups, mec. Ça change rien. Oui, surtout que mon... En plus, mon... Ce sera bien, dites le Zap Cannon. Yes! Bon, le crit, je pense qu'il n'y en avait pas besoin. Voilà! Allez, troisième match! Vous voyez que c'est assez rapide. Hein. Parce que... C'est une team qui est mine de rien très offensive. Hein. Elle est ultra offensive, cette team. Hein. Ok, j'ai bien fait. Zéro. Petit U-turn qui fait 0. Pas mal. Si j'avais nos coffres là... J'aurais été bien. Mine de rien, je ne l'ai pas fait. Toxique, ça va les couilles. J'ai envie de Z en. Bonjour, c'est con déjà. Pourquoi il reste? Mais et pourquoi vous. Pourquoi vous faites les plaies de merde? Pourquoi? Mais évidemment que ça touche shot! Oh là là! Ah, il aurait été bien là avec un two-shot le mec. Hein. T'as manqué sa two-shot putain. Au cas où il fait toxique. Oh mais il a évolué quand même parce que je doute qu'il reste mal pour faire toxique. Et le Earthquake, je le tiens. Putain, j'aurais pu sub en vrai. Change rien. Hop, putain, pourquoi je fais ça? Ça change rien. On va l'intimider quand même. Ça vaut le coup quand même de l'intimider. On va l'intimider. Il risque de faire machin, mais bon. Là, il va faire rouge, c'est sûr. C'est un putain de full spdf Discord. C'est chiant. Mais là s'il rouste pas, en vrai je tue avec HPS de coco derrière. Magarna va. Le Magarna. Le Gardevoir va faire son taf. Voilà, ça le laisse l'eau, ça c'est cool. Parce que du coup, t'as plus coco, il arrive, il fait HPS. Soit tu switch, soit tu prends HPS dans ta gueule. Et tu meurs. Et si tu switch, bah après les rocks, tu auras 20%. Ce qui fait que tu reviens sur absolument rien. Oui, la Trick Room, c'est un peu joué contre moi, mais c'est un putain de full speed up Discord.
savais même pas que c'était encore joué, cette merde. En plus, le mec a un Titar et un Gyarados, quoi. Pourquoi tu joues full speed at Discord? Est-ce que c'est Scartini? Pour l'avoir mis comme ça. De toute façon, j'ai encore Crocodile. Et si tu fais. Et faire U-turn, c'est pas la pire idée du siècle. Non. Là, tu vis Create, on est d'accord. Tu fais pas U-turn. Parce que faire U-turn maintenant, c'est débile. Voilà. Je vais tenter de knock-off. Avec un peu de chance, il va aller sur Discord. S'il me tue, je vais sur Raichu et je tape. Aucune blague. Voilà, non, t'es sûr. Que les noobs qui font ça. Bref. S'il va sur Gyarados et qu'il fait toxique. S'il va sur Tapu Fini et qu'il fait défog, en vrai, ça m'arrange. Alors, il fait toxique. On cherche pas à comprendre. Voilà. On s'en bat les couilles, on va juste le. Et là, c'est bon. Il meurt du toxique. Yep. Enfin, il meurt pas complètement, mais bon. Après, j'ai la Choucaberry. Pas sûr que je tiens. Voilà. Donc Slowbro a pris cher évidemment, hein, parce que c'est un Slowbro offensif. Avec les rocs plus le toxique, machin. Forcément. Mais c'était un fret ce truc. En vrai là je peux spammer T-Bolt hein. Carnitar il meurt sans coup de blague. On va laisser mourir Slowbro. On va aller sur Raichu. On fait T-Bolt. Ouais. C'est l'enrage de rien du tout parce que ça tue. MDR. Mais après, c'est peut-être Méga Titar. Est-ce que Méga Titar gagne un bonus en défense spéciale? Je crois que oui. Hein. Ouais, il faut que je batte au Pamis. Merci. Alors, Ditto qui est Scar, du coup. Hein. Je pense qu'on va sur Sylvalier, hein, on prend pas de risque. Jamais il fait T-Bolt, on est d'accord. Il va peut-être faire. Je résiste à tout, mais en même temps, bon. J'ai besoin de Raichu. Je pense que c'est le meilleur play, même. Ou alors je fais T-Bolt, mais. En vrai, je fais T-Bolt, on est d'accord. Il a plus le terrain après. Donc je peux mettre Sylvaillé. Là, c'est finasse type le. Oh, c'est bon. Ouf. Je meurs de la cendre. Parfait. Donc là, je vais sur Sylvaillé. Je fais multi-attaque parce que ça fera plus de dégâts que lance-flamme, même avec le. Bah, ça, c'était cool. Hein. Et maintenant, mon coco, il screen. Hein. Je pense que je skin avec Coco en vrai. Ah, quoique. Donc je harpe Coco maintenant. Est-ce que je rousse? Non, je T-Bolt en vrai. Parce que. Faut qu'il rate un V-Create en vrai. Ouais. Ça, c'était une erreur. Une erreur. C'est tellement une erreur, mec. Là, je rouste. Moi qui. Parce qu'il peut pas, U-turn, parce que sinon je tue Victini. Je rouste. Est-ce que je T-Bolt maintenant? Je
buteur, non. Crit de merde. Bah, j'ai eu un crit au moment où je devais roost. Forcément. Après, si les scarf me tuent, là je multi-attaque. Il est obligé de faire recreate pour me tuer. Je pense que j'ai gagné. J'ai forcément gagné parce que s'il me fait recreate, je suis plus rapide. GG. Ouais, j'ai gagné. Juste parce que mon coco est en goal. GG. Je pense que ça a été une erreur de sa part de vouloir sac son tapoufini. Je pense. Parce qu'il pouvait retirer le terrain électrique et derrière je tuais pas le Ditto. Bah et après il remettait le terrain électrique quoique. Bah, je tuais peut-être pas en vrai après. Je sais pas. Il aurait peut-être dû le retirer. Mais après c'est vrai, il met quoi en fait. C'est le problème. Mais je pense que j'ai bien géré là quand même. Si ça vous a plu, laissez un like, évidemment. C'était une vidéo assez courte. J'ai quand même eu 4 matchs. C'est plutôt intéressant. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!